Vincent et Marc-Antoine Côté, monsieur, depuis quelques années, ça semble être une histoire de famille, la SSM Intersport, et la saison 2016 n'y fait pas exception. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de... Parlez-nous un petit peu de votre enfance là, pour le bonheur des spectateurs. On va faire ça simple. On n'a jamais habité ensemble, c'est pareil à naissance. On ne s'était jamais vu finalement avant de venir ici. Quand on s'est revu ici, on était bien surpris. Quand j'ai vu Côté, on a fait nos petites recherches. Ouais. C'est ça. Selon notre arbre généalogique. C'est son frère! Voilà. C'est malade. Ah, c'est vraiment comme curieux hasard. Comme on dit, il n'y a pas d'hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc, encore un autre succès de la LSSM Intersport. Parlant de choses toujours très sérieuses, gros match ce soir, grosse victoire contre des ennemis de premier plan, l'Airmac. Comment peux-tu nous parler un peu du match et les attentes, c'est la fin de la saison pour la Boucherie Poulain? Ah ben regarde, moi mes attentes, c'est juste avoir du plaisir avec mon équipe. Tant que je bats mes anciens sélectionneurs, ça va toujours bien dans ce cas-là. À ce soir, j'ai pu venger ma non-sélection avec eux. Deux gros buts pour mon équipe. Belle passe à le frère qui fait l'autre but. Regarde, moi, bien content. Puis pour la Boucherie, ben on espère de se rendre loin encore une fois. Que des victoires. On s'est fait dire une fiche parfaite au début de la saison à nos sélectionneurs. On a échoué, mais on va avoir une grosse saison. Ouais. Merci beaucoup, messieurs. Bonne deuxième partie de saison et bonne fin de saison tout court. Merci.